Facture. Un beau fiche de paye. Tiens, une lettre. Héloïse. Alors ça, pour une surprise. Quelles sont les nouvelles de l'autre côté du globe? Bonjour Anaëlle, comment vas-tu? J'ai bien reçu ton carton d'invitation. Toutes mes félicitations pour tes fiançailles avec Sidonie. Qui aurait cru qu'un jour une femme arriverait à passer la bague au doigt à l'autoproclamée afroféministe et célibataire endurcie qui considère le mariage comme une prison de verre créée par l'hétéropatriarcat pour soumettre l'humanité à l'idée que le bonheur passe par l'union de deux êtres dont la mission principale est de se reproduire afin de perpétuer l'espèce humaine. Oh, good times. À propos, as-tu toujours le t-shirt avec la citation de Callisto? Oh, good times. Eh, comme on dit chez nous, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. J'espère pouvoir être à vos côtés pour le jour J. Je ne pourrai malheureusement pas être présente à la célébration des fiançailles. Benoît et moi avons décidé de donner une nouvelle chance à notre couple ici à Adélaïde. Ok. Oui, je sais, comme les autres, tu dois penser que je fais une grosse connerie. Peut-être. Oui, c'est clair. Mais Benoît m'a tout expliqué. J'explique tout. Il a fait une erreur, il le sait. Cela ne se reproduira plus. Les circonstances sont à prendre en compte. Sabine et lui ont quand même été mariés pendant près de 10 années et le seraient probablement toujours s'ils n'avaient pas cette incompatibilité de reproduction. Hein? D'après les résultats de leur analyse pendant l'ovulation, la glaire cervicale de Sabine empêchait systématiquement les spermatozoïdes de Benoît de passer du vagin à l'utérus pour féconder les trompes. Ça veut dire quoi ça? Attends. D'après les résultats de leur analyse, pendant l'ovulation, la glaire cervicale de Sabine empêchait systématiquement les spermatozoïdes de Benoît de passer du vagin à l'utérus pour féconder les trompes. Ah ok, d'accord. Ok, je savais pas que ça existait. Elle est considérée comme des corps étrangers. Ah ouais, cool. Un like pour la glaire cervicale de Sabine. Elle a tout compris, elle. Une insémination intra-utérine directement dans l'utérus aurait pu leur permettre d'avoir des enfants, mais Sabine et ses convictions archaïques les en a empêchés. Oh, j'ai jamais aimé cette meuf de toute façon. Elle reste convaincue qu'elle ne serait plus une vraie femme si elle devait faire appel à la médecine pour être mère. C'est la cause principale de la séparation. Ils n'ont pas divorcé parce qu'ils ne s'aimaient plus, mais parce qu'un couple marié sans enfant est un couple incomplet. Donc, quand ils se sont revus lors du barbecue familial à Marseille, ils ont succombé à la nostalgie. C'était juste cela, de la nostalgie. Ils le savent tous les deux. Okay. Mais bien sûr. Okay. De toute façon, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Et ce serait dommage que je passe à côté d'une belle histoire d'amour à cause d'une erreur. D'autant plus que, great news, je suis enceinte de 5 semaines. Oh ouais! Ce PVT en Australie est une chance pour nous, un nouveau départ. Benoît a trouvé un poste d'intérimaire dans une entreprise de production et de distribution de vin. S'il fait ses preuves, il pourra devenir titulaire dans 6 mois. Moi, je n'ai pas encore trouvé de travail, mais ce n'est pas grave. J'en profite pour préparer calmement l'arrivée du petit bout. Tiens-moi au courant lorsque vous aurez fixé la date du mariage. Encore tous mes vœux de bonheur à toi et à Sidonie. Vous me manquez grave. Bisous d'Australie. Et les... Ok. 6 juin, Kiki le koala. Ok.
Salut. Mignon. Ça dit de regarder un épisode de Xena ensemble? A beverage, my queen. You know I don't drink intoxicants, Theodorus. How about maybe just this once? No. I like to experience life in all its agonizing glory. I don't want to dull the sensations in any way. What? You're not falling in love with me, are you? And what if I was? I'd have to kill you. Love is a trick that nature plays to get us to reproduce. I want no part of it.